les plus importants pour renforcer cette dynamique, cet enthousiasme même que j'ai pu constater. Et ces éléments tournent autour de trois objectifs. D'abord, assurer la connectivité, faire en sorte que pour accéder au bateau, il y ait les moyens de transport nécessaires, que ce soit par l'avion ou par le train. Il y a là des efforts encore à faire. Une partie est à faire par les services de l'État et j'ai bien noté cette préoccupation. Premier enjeu, la connectivité. Deuxième enjeu, la promotion. Et dans ce cadre, la responsabilité de l'État est aussi importante. Celle des acteurs, mais celle de l'État aussi, et singulièrement du ministre des Affaires étrangères pour assurer avec les services des Affaires étrangères la promotion de la filière croisière France qui est en plein développement, singulièrement à partir de Marseille. Et puis enfin, troisième élément important aussi, la structuration de l'offre touristique pour que le passager ait des perspectives de visite qui restent Marseille, plus d'une journée, ou en tout cas que les croisiéristes puissent offrir des itinéraires et des projets, des sites à visiter. Et c'est la raison pour laquelle je me rendrai aussi au Mucem, parce que l'offre touristique intègre l'offre culturelle. Et Marseille a la chance d'avoir à la fois son histoire, mais aussi ses joyaux exceptionnels qu'est le Mucem, qui fait partie aussi de l'activité touristique.